Le prince de Galles a déçu de nombreux Gallois en allant à la rencontre des joueurs anglais. Le prince William a tenté de se défendre comme il a pu. Kate Middleton devrait pouvoir sortir de la tourmente son mari. Aucun doute, Kate Middleton est la bonne étoile du prince William. En marge de la Coupe du Monde au Qatar, le prince de Galles cesse d'attirer les foudres du pays de Galles. En effet, le fils aîné du roi Charles III a rendu visite aux joueurs de l'équipe d'Angleterre avant leur départ pour le Qatar où ils affronteront l'Iran au premier tour de la compétition mondiale. De son côté, l'équipe du pays de Galles a affronté les États-Unis. Il peut bien sûr encourager qui il souhaite et en tant que président de la Fédération anglaise de football, il est compréhensible qu'il aille rencontrer les joueurs, mais il doit sûrement réaliser qu'arborer le titre de prince de Galles en même temps est totalement inapproprié, s'est indigné sur Twitter l'acteur gallois Michael Sheen, connu pour ses rôles dans Twilight et Masters of Sex. Aucune gêne? Aucune sensibilité au problème? A-t-il ajouté « J'encourage l'Angleterre depuis que je suis très jeune, mais je soutiens le pays de Galles au rugby et s'y estime ma façon de faire les choses », a répondu le prince William pour tenter d'éteindre la polémique naissante. « Je dis à tout le monde que j'encourage les deux, équipes », a-t-il insisté. « Je dois faire attention avec mes affinités parce que je crains que si j'arrête subitement de soutenir l'Angleterre pour soutenir le pays de Galles, cela ne soit pas correct non plus pour le sport. Je ne peux donc pas faire ça », a encore défendu le prince. Kate Middleton s'engagerait en faveur de l'équipe du pays de Galles seulement, son explication n'a pas du tout convaincu les Gallois. Mais il devrait pouvoir compter sur la princesse de Galles pour apaiser la situation. En effet, selon les informations du Daily Mail, la mère de famille devrait prendre les commandes de la Football Association of Wales, l'équipe de foot du pays de Galles. Sensible aux activités sportives, la princesse est déjà marraine du All England Lawn Tennis Club, qui organise chaque année le tournoi de Wimbledon. Elle a pour mission de remettre chaque année le prestigieux trophée du Grand Chelem au vainqueur, sur la fameuse pelouse londonienne. Avec cette nouvelle fonction, Kate Middleton pourrait sortir son mari d'une situation très délicate. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Dès qu'elle en a l'occasion, elle ne manque pas une occasion, elle soutient son époux et fait en sorte de protéger leur famille. Pour rappel, le prince et la princesse de Galles sont les heureux parents de trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.